Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur TV Monaco. Voici les titres. Obligé par le gouvernement d'ouvrir tout l'hiver, comment les commerces du Larvoto traversent-ils la basse saison touristique? Nous avons été à la rencontre des commerçants de la plage monégasque. Des départs en vacances, une nouvelle fois perturbés par la SNCF. Après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs qui menacent de faire grève ce week-end. 1 million de voyageurs risquent d'être impactés. L'armée ukrainienne, toujours en manque de munitions. La ville stratégique d'Avdivka est tombée aux mains des Russes. Une défaite qui illustre les difficultés ukrainiennes sur le terrain. Enfin, dans ce journal, nous serons en direct de Nice pour vivre cette grande soirée de carnaval. Corso illuminé, grande fête sur la promenade des Anglais. Nos envoyés spéciaux seront au plus près des festivités. Nous en apprendrons un peu plus sur l'histoire du carnaval, la préparation des chars et ses traditions. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Manger une glace, acheter un maillot de bain ou encore boire un verre en bord de plage, à Monaco c'est possible, et même en plein mois de février. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est votre rendez-vous du dimanche, 18h15, comme chaque week-end, ça match sur TV Monaco. Ce soir, autour de ce plateau, à mes côtés, Gaël JV et de la partie. Bonsoir Gaël. Bonsoir, bonsoir à tous. En forme ? Oui, en forme, un peu déçu du résultat des Monégasques cet après-midi, du match, mais bon, sinon ça va. On va le débriefer ensemble, ce Monaco-Toulouse. Samuel Prosimo est également là. Bonsoir Sam. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Très heureux d'être là. Nous aussi, on est heureux de vous accueillir. Le match dans le match reçoit un gymnase qui a pour le moment une histoire de « je t'aime, moi non plus » avec les Jeux Olympiques, porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Tokyo. En 2021, nous recevons Samir Aït-Saïd ce soir. Bonsoir, bonsoir Samir, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va reprendre l'histoire depuis le début. La gymnastique, ça a commencé comment? Soyez les bienvenus dans Ça va le faire, on est ravis de vous retrouver. Je savais, hein, vous aviez un petit épi et c'est moche. Ah mince, voilà, ben ça y est, attendez, bougez pas. Merci. Il est... Là, vous êtes parfait, il est parti. Vous êtes jaloux parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus d'épi. J'espère. Non, c'est parce que je suis très joueur. Ah, c'est... Oh, c'est bon, j'ai bonjour compris. Bonjour mon Seb, et puis bonjour à vous. On espère que vous allez bien. Pourquoi monsieur est très joueur? Parce qu'aujourd'hui, on va évoquer le Festival International des Jeux de Cannes avec notre invité Cynthia qui sera avec nous dans un instant sur ce plateau, qui va rejoindre nos chroniqueurs. On va encore passer un bon moment. Voilà. Bien résumé, hein? Bien, super. Ouais. On est ton sur ton, hein? Oui, c'est vrai. On aurait pu choisir un blanc, un non, noir, non, non, on aurait pu jouer aux dames. Aux dames, bien sûr. Allez, vous savez quoi? Ah, le jeu. Oh, le jeu, je l'ai là, le jeu. Bah, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Générique, et puis ensuite, bah, faites vos jeux. J'ai fracassé le fauteuil en arrivant. Merci de passer ce petit moment du matin avec nous. On est ravis de vous retrouver avec, vous l'avez déjà compris, du sourire.